Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, solde. Oui, j'ai craqué, j'ai été faible chez Sephora et Camaïeu. Je suis contente de vous retrouver du coup pour cette petite vidéo. J'ai craqué donc sur Sephora parce qu'il y a eu des soldes sur internet, en boutique. Vous avez vu dans mon dernier weekly vlog ici, enfin un de mes weekly vlogs où j'avais fait donc les soldes le premier jour et j'ai pas craqué pour trop de choses. Mais finalement j'ai craqué sur internet et j'y suis retournée aujourd'hui même. Et j'ai racheté un petit truc. Donc je vous montre d'abord mes petits achats chez Sephora. J'ai craqué donc sur le site parce qu'il y avait à chaque fois toutes les semaines moins 10%, moins 20% en plus des soldes. Et là je viens de voir qu'il y avait moins 30% en plus des soldes. Donc voilà, c'est la folie chez Sephora. Ça vaut même plus le coup d'y aller le premier jour, j'ai l'impression. Du coup, j'ai craqué pour le parfum Yes I Am Pink First. Je l'avais mis sur ma wishlist, sur mon blog spécial. Genre si j'avais 500€ à dépenser chez Sephora, je vous la remettrai en barre d'infos si vous n'avez pas lu ce petit article qui est vraiment très court. Et plutôt sympa. Et du coup, j'ai craqué pour ce petit coffret là. Donc c'est le parfum en taille 50 ml. Alors ils vous disent que vous pouvez utiliser la boîte là en version sac à main. Je ne me vois pas sortir avec ça en sac à main, hein, mais bon. Donc 50 ml avec une petite crème pour le corps de la gamme. J'adore celui qui est version rouge, donc la version normale en fait, avec le bouchon rouge. J'aime bien celui qui est pink. Je l'avais pas sorti en magasin, mais il est pas mal. Hein. Je savais que ça allait me plaire parce que c'est vraiment le style d'odeur que j'aime beaucoup. Et pour le prix, ça m'est revenu autour de 33€. Donc ça valait grave le coup pour un 50 ml. Moins 40%, plus moins 10% je crois, si je me trompe pas. Ensuite en magasin le premier jour j'avais craqué sur cette teinte là, je vous en avais parlé sur dans mon weekly vlog, la Caffeine Queen de chez Too Faced, le Melted Matte Metallic. Je vais vous faire un petit swatch. C'est une sorte de marron métallique très beau. Et en fait comme je l'ai vu en boutique, j'ai pas pris. Et puis finalement je l'ai pris sur le site en ligne. Je vous mettrai les liens à chaque fois des choses si je les retrouve et tout en barre d'infos, hein, y a pas de souci. Je vais faire un swatch ici. Et c'est vraiment un très beau marron métallique. Et je pense que pour l'automne, il va être juste parfait. Il est trop beau. Vous voyez ce côté métallisé là, vraiment très beau. J'ai hâte de le tester sur mes lèvres. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai acheté deux petits articles soldés. Puisque quand je suis allée en boutique me faire rembourser un produit, il y a eu de nouvelles tentations. Puis surtout quand j'ai vu les moins 30% supplémentaires des soldes, je me suis dit, mon dieu, et là je vois ça. Et depuis le premier jour, je l'avais repéré, comme le mat là. Mais je l'avais pas pris parce que moins 30%, je me suis dit, oh non, et tout, c'est pas raisonnable et tout. Ça fait moins 10 ans qu'il est sur ma wishlist. Et là, à moins 50%, vu qu'il y a eu moins 30% plus moins 30%, c'est me revenu à peu près à moins 50%. Au lieu de 61, il m'a... Je l'ai payé 29€, donc vraiment très raisonnable. Et j'ai craqué, hein, du coup, je l'ai pris. Et avec ça, j'ai pris ça aussi, ça me tentait bien, c'est le baume à lèvres Sephora, la banane. Je me suis dit, voilà, pour 1,70€, ça sent bon la banane, ça va, ça reste très léger et très agréable. Je me suis dit, pour dans le sac à main, ça sera très bien. Dans les choses non soldées, j'ai craqué pour ce petite chose là, c'est le fard à paupières voile scintillant enrichi à la pêche et au lait de figue sucrée de chez Too Faced, le Crystal Waps. En teinte Club Kid, et bah ça me donnait bien envie encore une fois. Je pense que c'est une sorte de top coat à mettre sur les fards à paupières. Alors comment ça s'ouvre? C'est vraiment très joli. Un peu irisé comme ça, vous voyez, à mettre en fard à paupières par-dessus des fards qu'on a. C'est une sorte de violine avec des reflets roses. J'ai hâte de tester du coup. Là on voit bien les reflets. Donc ça c'était pas soldé, hein. C'était mon petit craquage avec moins 25% quand il y avait encore le moins 25%. Ensuite j'ai craqué chez Camaïeu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été chez Camaïeu ou regardé un petit peu le site internet Camaïeu. Là je vous mettrai le lien si ça vous dit des soldes chez Camaïeu. Honnêtement, dès que j'ai commencé à perdre du poids, je vous remettrai aussi la vidéo perte de poids que j'avais fait. Quand j'ai commencé à perdre du poids et arriver dans des tailles un peu plus standards, je suis allée chez Camaïeu. Et j'avais commencé à m'habiller là-bas au niveau des petits hauts et tout, je trouvais qu'il y avait des choses très sympas. Du coup là je me suis dit pourquoi pas y retourner, sachant que Camaïeu m'a offert une carte cadeau. Donc ça m'a encore plus motivée. Comme d'habitude je vous dis toujours la vérité dans mes vidéos. Du coup Camaïeu m'a offert une carte cadeau pour aller choper un petit peu les soldes là-bas. Donc j'ai tenté, j'ai craqué. Bien sûr j'ai craqué plus que ma carte cadeau.
J'ai pris deux pièces pour cet été et le reste, ça sera pour ma rentrée de maîtresse. Oui. J'ai pris que des petites choses après pour la rentrée. Je vais essayer de vous faire à chaque fois des try-on, des close-up pour que vous voyez un petit peu le rendu sur moi. Même si ce n'est pas parfait, vous ne m'en voudrez pas, j'essaierai de faire au max. Au niveau des pièces pour la rentrée, et ça je les avais repérées avant les soldes, j'avais été chez Camaïeu avec une copine qui avait craqué pour un petit haut. Et moi j'avais vu ces petites chaussures là d'été. Je les ai trouvées trop belles en moutarde comme ça, trop jolies. Je me suis dit voilà, avec un petit jean noir, ça pouvait être sympa, ou avec une robe noire. Du coup, je les ai prises. Elles étaient soldées à moins 50%. Elles me sont revenues à 12,50€. Mais sachez que en magasin en plus, je sais pas si c'est le cas sur en ligne, mais en magasin, dès que j'avais dépassé les 5 articles soldés achetés, j'avais moins 15% sur tout ce que j'avais acheté. Donc du coup, j'ai gagné 10€ à la fin en plus. Ça veut dire qu'à peu près chaque produit me sont revenus autour de 8€. Donc à peu près. Avec le cumul de toutes les réductions. Donc la deuxième pièce que j'ai pris pour l'été, là, pour les beaux jours, c'est ce petit haut blanc qui, pareil, autour de 12€, non, 13€, il était qu'à moins 30% celui-ci. Mais voilà, il est très très beau encore une fois, tout blanc, avec des petits effets comme ça, foil gold. J'ai pris du blanc parce qu'en fait j'ai très peu de blanc dans ma garde-robe. Je dois avoir un haut blanc pour l'été, donc je me suis dit là, l'été c'est sympa, un petit haut blanc léger, un peu transparent, vous verrez sur les essayages. Mais c'est pas grave, ça sera très sympa avec un petit débardeur blanc dessous ou un soutien-gorge blanc ou couleur chair, etc. Ensuite, tout le reste, c'est pour ma rentrée. J'ai pris cette petite blouse camel, une sorte de camel. Elle est trop belle. Elle est juste magnifique au niveau de la couleur. J'en ai pas du tout dans ce style-là dans ma garde-robe. Je me suis dit, why not, pourquoi pas, comme dirait là, why not. Et du coup je me suis dit allez c'est parti, tu tentes. J'ai tout essayé en magasin, d'ailleurs j'essaierai de vous mettre des photos. Là j'ai vraiment essayé beaucoup de pièces. J'ai tout essayé en magasin, j'avais pris au moins une panoplie de 25 choses à essayer. Je vous mettrai une petite photo. Si vous êtes ronde comme moi, vous avez des hanches assez imposantes, que vous faites un peu au-dessus du 42, honnêtement chez Camaïeu, vous pouvez trouver des petites merveilles, puisqu'ils taillent jusqu'au 46, si je ne me trompe pas. Les trois quarts des pièces là que j'ai pris c'est en 46. Il y avait des robes que je pouvais passer en 42-44. Après, il y a des petits hauts, c'est du XL, XXL. Donc honnêtement, vous pouvez vous lancer et aller voir. La qualité du tissu est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'habitude de m'habiller chez Primark ou chez Kiabi ou chez New Look pour les pantalons. Et je vous avoue que c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux que chez Primark. Du coup, oui, si vous êtes un peu ronde comme moi, vous pouvez vous lancer chez Camaïeu. Des fois, il y a des enseignes comme ça, on n'ose pas passer le pas. Mais moi, j'adore. Il y a aussi Graines de Malice que j'aime beaucoup. Il y en a un pas très loin de chez moi, donc j'aime beaucoup. J'ai craqué pour ce petit pull-là, toujours dans les couleurs un peu moutarde de camel. Celui-là, il tourne un petit peu plus vers le moutarde. C'est un petit pull léger hein, pour l'automne, ça va être parfait. À moins 50 ou 60%, 50% anti-col V. Alors les cols V, moi c'est pas ce qui me va le mieux, je préfère les cols ronds. Sachant que j'ai une poitrine pas très généreuse, du coup les cols V ça a tendance à aplatir ma poitrine. Mais on trichera un petit peu hein, peut-être. Donc voilà, mais en tout cas j'aimais beaucoup la couleur et puis j'aime bien mettre des petits pulls comme ça légers pour l'automne. Toujours en pull léger, un petit peu pour l'automne ou les jours où il fait un petit peu moins beau. Hein. Un petit pull comme ça, rose pastel. Oh, je sais pas si vous verrez bien la couleur. C'est un joli rose pastel avec des petits signes, on va dire, des petites fleurs un peu dorées gold. Hein. Oui, gold. Et du coup, pareil, un col en V avec des petits boutons. Je le trouvais vraiment magnifique, très doux. Celui-ci est un tout petit peu transparent. Et alors pour finir, j'ai craqué pour deux jolies blouses, vraiment des petites blouses que j'avais trop envie d'avoir pour ma rentrée, faire la petite maîtresse un peu sérieuse, oui pour ma rentrée de maîtresse, oui, mais j'ai des délires des fois, ne vous inquiétez pas. J'ai craqué d'abord pour celle-ci, qui est une petite blouse comme ça, avec un petit col fermé, très jolie je trouve, en bleu, avec des petites rayures blanches mais légères, hein. Et alors voilà, les manches ça me plaisait, je sais pas du tout si ça m'ira vraiment bien, mon mari s'est moqué de moi en me voyant avec ça, mais voilà. Je trouve que c'était plutôt sympa, assez droite, il y a une petite touche derrière encore une fois, de petits. Ça fait un peu à l'ancienne, hein. Oui j'admets, c'est un peu à l'ancienne, mais moi je sais pas, j'ai craqué dessus, je trouvais que c'était un peu style rétro très sympa. Et dans le même style, un rétro sympa, j'ai pris le même style de petite blouse comme ça, mais en rose, un peu plus transparente, hein. Donc mettre un petit truc en dessous, c'est quadrillé comme ça, mais c'est transparent. Les manches sont très sympas encore une fois, regardez-moi ça, les manches.
J'adore. Et celle-ci, elle est plus loose, elle est plus fluide au niveau du bas. Elle se porte un peu plus large et elle est très fraîche. Quand il fait un peu chaud, là, comme aujourd'hui, c'est très frais, c'est très sympa. Voilà pour mes petits craquages soldes. Hein. Oui, je sais pas si vous êtes comme moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi, au début, vous résistez pour les soldes. Et puis, au fur et à mesure, vous craquez tout doucement, mais sûrement. Donc, bon. J'ai été faible, j'ai été faible. J'ai aussi craqué, mais je vous ai pas montré ici, mais je vous l'ai montré sur Instagram pour mes enfants chez Auchan. Il y avait des soldes aussi encore une fois trop 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 bien, moins 70%. J'ai acheté des pantalons et tout pour leur rentrée pour même pas 4 euros à chaque fois. Enfin, j'ai acheté plein de trucs, mais je vous ai montré tout ça sur mon Instagram. Et si vous voulez les revoir, parce que c'est déjà passé, c'est dans la petite story permanente shopping, je pense, si je ne me trompe pas. Vous avez des stories permanentes pour plein de petites choses. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver d'ailleurs, hein, si vous ne me suivez pas là-bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez résisté, si vous avez été faible comme moi. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de Cavaillé au niveau de la qualité, si vous êtes ronde, si vous avez un petit peu de surpoids, si vous aussi vous n'osez pas aller dans ce style de boutique. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker, comme je vous le dis à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, pour ce partage, pour cet échange entre nous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!